Depuis, il n'a pas changé. Non seulement sur le plan des idées et des principes, il n'a pas changé, mais pour ceux qui le connaissent, vous verrez que sur le plan physique, il n'a rien perdu de sa beauté. C'est comme s'il avait 25 ans. Et pourtant, un bel homme, comme en quoi, lorsque le cœur d'abondance, ça se ressent sur le physique. Un bon cœur se ressent également sur le physique. Fogel est un homme bien. C'est pourquoi je ne suis pas surpris qu'il ait été le premier parrain de l'association des ressortissants du Zanzan ici. Là où on fait avancer la cause commune, Fogel est là. C'est pourquoi, en plus de l'art, de son métier même, il s'est essayé à l'écriture. Et il écrit bien. Pour que ce qu'il sait, le peu qu'il sait de ce monde, il puisse le partager aux autres. C'est un homme généreux que je voudrais saluer encore. Merci, frère. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci. Je voudrais saluer le président Ataïe. Je l'ai chanté tout à l'heure pour dire que si le temps politique, on allait dire que tu es dictateur. Il a son quatrième mandat, c'est son sixième mandat. Mais qui peut faire six mandats à la tête d'une association si ce n'est pas quelqu'un qui a des qualités de rassembleur, de manager? Parce que il le sait bien, et les autres aussi, créer une association, ce n'est pas la chose la plus difficile. Mais la faire fonctionner, la faire durer dans le temps, et surtout, lui permettre de réaliser les objectifs pour lesquels elle a été créée, c'est une autre chose. Et le plus souvent, nos associations que nous créons d'enthousiasme s'épanouissent dans la nature.